l'honorable député de Repentigny. Des Montréalais ont été soumis à leur insu à des expériences de lavage de cerveau financées par Ottawa et la CIA dans le cadre du projet MK Ultra. Non, Monsieur le Président, il ne s'agit pas de science-fiction, mais bien d'événements s'étant déroulés au Allen Memorial entre 1957 et 1964. Le gouvernement nie toute responsabilité, mais par ailleurs, il multiplie les ententes d'indemnisation hors cours avec les familles des victimes qui le poursuivent. Alors, plutôt que de les forcer à recourir aux tribunaux, est-ce que le gouvernement va s'excuser publiquement et indemniser globalement les centaines de familles? Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, Monsieur le Président, bien sûr, nous avons beaucoup de sympathie pour ceux qui ont souffert de ce genre de perte, mais nous faisons confiance au système de justice pénale qui devra gérer ce dossier comme il se doit. Nous allons continuer de surveiller de près les choses pour que l'indemnisation appropriée soit accordée. Not very sure.